Je m'appelle Marita Amour. J'ai commencé à douter de mon âge carrément. J'ai 25 ans. Actuellement, je suis créative stratégiste chez Koudak. Au quotidien, j'accompagne les marques, je leur donne des petits conseils, je leur crée aussi des publicités pour pouvoir impacter les réseaux sociaux grâce à leurs pubs. C'est de savoir que la veille, ça fait partie quand même de 80% du travail. Il faut regarder, scruter. Donc, je passe des heures sur Instagram, mais c'est pour le travail. Ça passe. J'aime bien cette idée aussi de se dire qu'à partir du moment où on a l'impression d'être trop à l'aise quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'on se renouvelle, d'avoir cette alerte permanente de renouveler, de puiser encore plus en créativité, de rechercher toujours plus d'idées un peu folles, mais toujours trouver le moyen de pouvoir contenir tout ça. C'est un petit peu spécial de se dire la créativité mais maîtrisée. Et justement, c'est jongler sur ces deux choses un petit peu antinomiques, c'est assez cool. C'est cette notion où il n'y a pas forcément de limite. Je dirais le poste que j'ai. Créa, de toute façon, on est plusieurs. On va avoir certaines personnes qui vont être plus ancrées, je dirais, dans la production directement. D'autres qui vont un peu plus s'occuper parfois des réseaux sociaux, certains de la newsletter. Chacun, en fait, a son propre sujet premier. En tout cas, son propre truc qui le fait vibrer, qui rend vraiment son poste unique. Ton travail, tu as bien sûr une ligne directrice qui est assez semblable à celle de tes collègues, mais tu as quand même un truc qui reste essentiellement que à toi. On a tous cette possibilité de se parler sans problème, qu'on soit dans la même équipe ou non, que ce soit quelqu'un qui soit hiérarchiquement au-dessus ou non. La notion de hiérarchie, elle n'est pas forcément très visible ou elle n'est pas ressentie. Tout le monde est disponible, tout le monde a son mot à dire. Ce qui est intéressant avec le full remote, c'est que cette possibilité d'avoir un emploi du temps suffisamment fluide, chacun concilie toutes les choses comme il le souhaite. Pour rester créatif de manière générale, on a besoin de beaucoup de choses. Chacun a son propre process. Moi, je travaille beaucoup en musique. Toute cette liberté, qu'elle soit physique et entre guillemets un peu mentale aussi, ça permet de travailler mieux. Et moi, je trouve ça beaucoup plus sain. Je dirais de la phase la plus calme et inspirationnelle à la phase la plus physique et vraiment de création. Je vais souvent commencer avec des choses un peu douces, un peu de la pop. Où en fait, ton esprit il commence doucement à se faire l'idée de il faut peut-être travailler dans les moments où je vais vraiment avoir besoin, entre guillemets, d'encouragement parce que c'est le rush. Il faut que ça bouge. Donc ça peut être un peu plus de la house, ça peut être aussi un peu du rap, de l'afrobeat, beaucoup, j'avoue. Ça, j'aime beaucoup pendant ces périodes-là. On passe vraiment du tout en douceur, et on termine par de la musique qui bouge. Et on est là, genre, bon, bah, on ferme les ordi. Oui, tout simplement. J'espère.